C'est pour l'attente du Brawl Talk. Désolé, vous avez sûrement pas dû entendre. Le petit boss, on se retrouve pour un nouveau vidéo Brawl Stars. Et voilà, on va se mater le Brawl Talk. Il a l'air balèze quand même, le nouveau brawler. Dans 2 minutes. Bah, j'attends en direct. Non, merci, Seigneur. Bah, du coup, bah. En attendant, je vais vous dire, abonnez-vous, bah, likez, comme Ricochet. Qui... C'est ce qu'il est en train de faire, Ricochet. Alors, faites-le, faites comme lui, copiez-le. Voilà. Dans 2 minutes. J'aurais bien aimé m'acheter ce Star Power. Mais par contre, ouais, ça serait dommage pour le Brawl Pass. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de paliers parce que. Un truc qui vous sans palier là avec une grosse boîte, ça aurait été mieux des méga boîtes. Et bien sûr, dans le shop, mettez le code créateur BF. Mettez bien sûr le code créateur BF. F1, tout simple. Sauf que moi je soutiens pas. Donc voilà, on pourra aller se regarder le Brawl Talk sur YouTube. Ça va être intéressant, on va assister. On va tous assister à ce Brawl Talk. Ça va être énorme. Voilà, du coup, il y a justement. Normalement. Voilà, notre Brawl Star là. En attendant, bah, abonnez-vous à Splat. Abonnez-vous à Sergei Bilovsov. Abonnez-vous aussi à Maxime Gacha. Et à Capitaine Alpha. Voilà. Parce que là, ils ont un petit peu dépassé 10 heures, quoi. La première va bientôt commencer. Ça fait plaisir, on va y assister tous ensemble. On va assister au Brawl Talk. Donc, ça va être sympathique. Mais allez, faut pas mettre pause. Hein. La première va bientôt commencer. Ils sont lents. Allez, mais mettez-moi pas sur pause. Les gars, mettez-moi pas sur pause. Ah, ok, dans 1 minute. En attendant, moi, je vous dis de vous abonner, de partager pour avoir plus d'abonnements, de liker, de commenter. Comment bah, ce que vous en pensez de cette mise à jour, que vous auriez bien aimé avoir dans cette mise à jour. Moi, perso, dans la mise à jour, j'aurais bien aimé avoir une nouvelle légendaire ou une nouvelle rare, ou bah justement là, je pense que ce sera chromatique. Mais après, j'aurais bien aimé déjà de une un Brawl Pass avec beaucoup plus de paliers. Ensuite, j'aimerais bien des nouvelles boxes. Par exemple, je sais pas, la Clash Box en rapport avec Clash Royale et Clash of Clans. Ou par exemple, je sais pas moi, la Showdown Box. Pour ceux qui ont fait plus de 100 victoires en solo.
toutes les 100 victoires, bah, on t'offre une showdown box. Ça pourrait être sympa. Et par exemple, un nouveau brûleur, la ligne de trop fou, quoi. Ça peut être sympa. Pour les 10 000 terres. La musique, elle est quand même stylée. On va pas se mentir. Elle a l'air d'être stylée, la musique. Allez, je suis impatient, moi. Et avant toute chose, si on met plus de 4 pouces bleus sur la vidéo, je vous montre des grattages que j'ai fait. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans le rien. It's the summer of monsters. Oh, oh, c'est trop beau. Oh, oh, oh. Alors déjà, là, le skin de Elisa, il a l'air trop bien. Oh là 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 là, déjà, là, c'est ça commence déjà par le lot. That's right, season 2, Summer of Monsters. We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge. And he's maybe one of the most unique brawlers we've ever made. His main attack is a kind of like a combination of spike and ching. You throw a projectile and then when it hits the enemy, it divides into other projectiles. That's right, and his super is really interesting. Every time you use Surge's super, he upgrades himself. And his attacks become different and he becomes stronger. You can do that a maximum of 3 times, but if you're defeated, you lose all those upgrades, so stay alive. Additionally, we have another exclusive skin pass. Before, we had only one. I'll have two. And those exclusive skins are Super Ranger Brock and the Paladin Surge. Also, one quality of life change that you guys have been asking for. Now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Season 2 Summer of Monsters is starting on July 6th and will last 10 weeks. Now Ryan, if I have like 1 million gold coins, what can I do with them now? That's way too much gold and here's how you're gonna spend it. Coming in this update, we've got true silver and true gold skins for the very coin-rich players. True silver is going to cost 10,000 coins, and true gold costs 25,000. But if you want that gold skin, you've got to buy the silver one first. And to be able to buy it, you need to reach at least power 9. So we're talking about monsters, but where are the monsters? Coming in July, we have Mega Beetle Bee, Crab Tick, and monsters is Streetwear Max. Enfin un skin pour Tick. Ça fait tellement longtemps que ça fait longtemps qu'il est sorti et il a toujours pas de skin. Même chose pour Pomme, mais maintenant elle a un skin. Summer of Monsters wouldn't be complete without a new game mode. Presents you Super City Rampage. You guys have been asking for a long time for a new PvE mode, which means that's brawlers against nuclear or AI. So now we are having three brawlers against another boss, and this boss is a big monster that wants to destroy the city. And you have to prevent that from happening by defeating the boss before, I think it's 2 minutes? That's right, before the city gets destroyed. Exactly. Coming in this update, we're testing a new object on the map called the rope fence. This is kind of cool because you can shoot over it, but you can't walk through it. So it's sort of like water, but it can be destroyed like other wall tiles can. And also, Hot Zone is here to stay. You guys have been asking, Hot Zone is going into the rotation with maps and requests. And we've got more pins, and pins will be available in battle starting with the update. And also, the trophy road got extended up to 50,000 trophies. We cannot wait for the Summer of Monsters. And since you guys watched to the end, you get some special extra info. Crow and White Crow are here. Oh oui, un remodèle de Crow, c'est ce que tout le monde attendait. So don't forget to subscribe to get more awesome news like that. And we will see you next time. C'est du lourd. Petit gadget. How good that was. I could tell we had no idea what we were saying, but we got it out there. Because I said your lines and then... Wow. Bon, on va se faire une game sur Brawl Stars, ok?
Bah ouais. On va regarder les trucs sur Brawl Stars. Bon. Alors, déjà, on va voir ce qu'on a. Alors, déjà, dans l'info, c'est déjà ce qu'il y a dans l'info. Alors, pitié, une petite boîte gratuite. Ou le Pokémoticône. Oh, il y a une info qui me rit. Oh non. Je mais non, mais sérieux! Vous pouvez pas nous offrir tout simplement une petite boîte gratuite là? C'est... Ils sont allés là, parfois, Supercell. Ils cherchent la bagarre, Supercell. Voilà, les skins quand même dans les magasins Star, ils sont venus nous bouffer. On se dit, on va se faire du solo. Même si j'étais déjà en solo, quoi. Allez, bah du coup, ça fait plaisir d'entendre des nouvelles comme ça. Mais du coup, je me demande juste quand elle sera la mise à jour, quoi. Peut-être demain, qui sait. Moi, j'ai tellement envie que ce soit demain. Avec tout ce qu'il nous a raconté, là, ça nous a mis l'eau à la bouche, quoi. C'était génial. Donc voilà. On essaie de se récupérer la boîte. Par contre, je sais même pas pourquoi je bug. On va essayer de se la faire en disant on va attaquer un petit peu le robot. Histoire de peut-être le récupérer. La gestion, on va l'agresser un petit peu. Oh non! Oh non! Mais il n'y a pas de tremblement de terre. Hein. C'est pas grave. J'ai mon double jeton. Je vous invite à rejoindre mon club. L'identifiant, c'est hashtag 888YG9GY. Donc voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, bref, faites tout ce que vous voulez. Ciao les potes!